Prononce pour la vidéo, donc je vais parler des actualités que j'ai vues concernant l'OM, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, donc pour l'instant on ne sait pas encore qui sera l'entraîneur de l'OM, enfin en tout cas Gallardo, enfin ce serait un bon choix pour que ce soit Gallardo. Donc j'ai vu une information comme quoi les joueurs étaient interdits d'interview. Pour parler justement de cette situation pour l'entraîneur. Donc voilà, c'est une information que j'ai vue. À voir qui s'arrête justement, mais je pense que ce sera Gallardo. Donc Gallardo, enfin c'est lui, je vous mets son, enfin je vais vous dire son, c'est les skates qu'il a entraîné et ce qu'il a reporté avec l'équipe. Donc avant de, il a entraîné River Plate. Donc d'après ce que j'ai entendu, c'est un bon entraîneur. Plutôt le style que tu dors, lui c'est plutôt l'attaque. Il n'y a pas beaucoup de possession, donc voilà, c'est un bon profil. Donc c'est un profil que je valide. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur cette information, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera fixé sur ça, normalement. Donc voilà, première information que j'ai vue. Deuxième information. Alexis Sanchez, comme vous savez, qui a été proposé à l'Arabie Saoudite, qui aurait recalé ça tout de suite, il a dit tout simplement de ce qui l'intéressait, c'était la Ligue des Champions ou de l'Europe. Donc, les Sanchez, à moins d'un gros retournement de situation, n'ira pas en Arabie Saoudite. Donc, voilà. Et il n'y a pas d'autres infos, d'informations. Mais voilà, en tout cas. Le mercato ouvre ses portes ce soir à minuit. Il y aura du travail. Il y aura du travail. Donc, l'OM cherche spécialement, je crois, des défenseurs, des ailiers, je crois, mais des attaquants, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà le profil que nous cherchons. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire son nom dans les commentaires. Mais voilà. Après, il va falloir. Faire de belles choses, bonnes choses pardon, sur le mercato, ne pas se faire avoir car on était sur des bons joueurs, malheureusement on s'est fait avoir par d'autres équipes. Donc voilà, ne pas se laisser faire et voilà, d'essayer de prendre des bons joueurs qui ont l'expérience en Europe, pas spécialement à TNC, mais qui ont l'expérience en Europe. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, là, ça peut être un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, commenter, partager ce emoji. Ciao et allez loin.